Nous vivons d'une manière tout à fait inconsciente. Comme nous vivons comme des hommes tous sans conscience et pendant ce temps-là, nous errons, mais tu vois, mais tu m'écoutes vraiment. Et toute cette colère, toute cette inquiétude, tout ce tracas, nous les ravalons. Soudain, il a vu un faune. Et ce faune était extrêmement étonné, car ce faune a l'habitude de voir des humains. Très peu d'humains sont capables de voir des faunes. Hein. Tu connais ces petites créatures, des faunes. Des faunes. Non, pas des faunes. Des petites biches, des petites biches comme ça, des bambous. Comme chez Walt Disney, des bambous avec des petites taches blanches. Comme ça, des quatre pattes. Non, pas des bambis, des petits bambis, quoi. Mais il faut aussi que tu regardes le mien aussi. Des fonds, des biches, oui. Allez, je ne vois rien. Pose-le sous la table. Comme ça, les fonds, dit... Comme celui de Debussy, dans l'après-midi d'un fond. Voilà, supposons, pour finir, au théâtre. Si les critiques sont bonnes. Hypothétique. Allez, hypothétique. Hypothétique. Et pendant quelques instants, tu as quelque chose en main. Tu vois ce que je veux dire? Tout de suite après, cette impression disparaît presque aussi vite qu'elle n'était apparue. Il y a de nouveau le vide. À nouveau, tu ne sais pas ce qui va se passer l'instant d'après. C'est du sable mouvant. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, une conquête sexuelle. Après le spectacle. Car en trompant ta femme, tu retrouves la terre ferme. Il y a de nouveau des questions à poser. Est-ce qu'elle aime que je lui mordis l'oreille? Est-ce que je peux parler avec... est-ce que je peux parler de Schopenhauer avec elle dans un restaurant 3 étoiles, etc., etc. Et tout cela te donne l'impression, je crois, que tout est clair. Et les questions trouvent une réponse. Oui, je peux lui mordiller l'oreille. Non, je ne dois pas lui parler de Schopenhauer dans un restaurant 3 étoiles. Mais quand tu formes un vrai couple avec quelqu'un depuis des années, tout est devenu imprévisible. Imprévisible. Et tu as rompu toutes les amarres qui te relient à la terre ferme et tu navigues dans l'inconnu. Tu sais, les gens s'agrippent toujours à ces images du père, de la mère, du mari, de l'épouse, pour cette même raison, parce qu'elles semblent offrir un point de repère, mais il n'y a pas d'épouse qui vienne. Qu'est-ce que ça veut dire, une épouse? Un mari? Un fils? Un petit garçon te tient par la main? Soudain, sans crier gare, un homme adulte se lève. Et l'instant d'après, il a disparu. Où est le fils alors?